Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne The Web Plastic Model. Alors aujourd'hui, on revient sur la Porsche Spyder 918 Martini Racing. Petit travail effectué hors caméra, donc sur les étapes 43 à 47. Donc les deux phares, une petite pièce intérieure carrosserie et le montage de la carrosserie sur le châssis. Montage de la carrosserie sur le châssis qui aura occasionné pour moi un petit souci, j'ai abîmé le décalcomanie arrière de la voiture avec mes grosses paluches. Il fallait bien que je casse quelque chose. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Si quelqu'un a une astuce pour réparer, n'hésitez pas. Donc là, je vous montre le travail effectué sur les phares. Petit tour d'horizon sur la carrosserie montée sur le châssis. Bien sûr, il manque les spoilers qui vont venir cacher les détails intérieurs malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, la notice nous demande au niveau des phares de peindre une partie de l'intérieur en noir satiné. J'ai suivi les conseils et l'astuce de Vidéo Modeling, qui lui a essayé de le faire avec le Pen Eyeline Accent Color de chez Tamiya, et ma foi le rendu est pas mal, donc je le remercie encore pour cette astuce. Quand on passe ça sur le chrome, ça fait un super bel effet. La partie au fond, donc les phares xénon, il y a quatre petites diodes, donc elles sont peintes en blanc et, X2 de chez Tamiya. Maintenant la catastrophe que j'ai faite, je vais vous montrer, voilà, j'ai arraché un morceau de décalcomanie. Alors il était parfaitement posé, mais malheureusement les grosses paluches ont eu raison de ça. Alors si quelqu'un a une astuce, j'ai mis un peu avec un cure-dent, j'ai mis un peu de couleur or dessus, mais bon, c'est pas le top. Alors je sais pas, quelqu'un a peut-être une astuce, faire une peinture or par dessus, je sais pas. Eh bien écoutez, donc le travail est terminé, c'était l'étape 9, je suis en train de faire l'étape 10, je vous dis à bientôt et à plus.